Amen. Merci beaucoup de vous asseoir un moment. Ce soir, le Seigneur veut parler à ton cœur et veut te révéler son cœur. Et nous allons parler ce soir de la véritable vie chrétienne. Nous parlerons de la réalité de la vie chrétienne. Lorsque nous considérons les dernières semaines que nous venons de passer, nous pouvons voir que le Seigneur a beaucoup mis l'accent sur le salut. We can see that God actually put an accent on salvation. Les messages qui ont été prêchés par les différents intervenants, les différents hommes de Dieu qui se sont tenus sur la plateforme, by different men of God who stood to the platform, ont été des messages qui ont eu un accent prononcé sur le salut. The message that has an accent that actually emphasizes on salvation. La nécessité d'être sauvé. The necessity to be saved. La nécessité d'entrer dans le royaume de Dieu. The need to enter the kingdom of God. Et même si pour certaines personnes, lorsqu'on a beaucoup de problèmes dans la vie, if for someone you have many problems in life, on a des problèmes d'argent, problems of money, on a des problèmes de, on a des difficultés à se nourrir, difficulties to be fed, on a des difficultés à pouvoir prendre soin de sa famille, difficulties to take care of their family, on a des problèmes qui sont liés à la société, à la nation, linked to the society and nation, on a des problèmes de plus de nombreuses natures, problems of different natures, et parfois au milieu de tous ces problèmes, on est plus affecté par les problèmes d'argent que par les problèmes de santé. On est plus affecté par la solitude physique ou émotionnelle que par notre salut éternel. Je ne sais pas pour vous, mais combien de personnes avez-vous vu déprimées parce qu'ils n'ont pas Jésus dans la vie? Mais moi, je peux vous dire que j'ai vu des personnes déprimées parce qu'ils n'étaient pas mariés. Alors, il y a toutes sortes de problèmes que le cœur de l'homme peut traverser ou peut vivre sur cette terre. Mais parmi tous les problèmes que l'homme peut vivre et traverser sur cette terre, il y a un problème majeur. Et ce problème n'a rien à voir d'abord premièrement avec l'humanité de l'homme. And the problem has nothing to do with the humanity of man. Mais il a à voir avec son éternité. It has to do with eternity. Et quand on est vivant, on ne pense pas à l'éternité. We are like looking of the eternity. Quand on est jeune, on ne pense pas à l'éternité. We are young, thinking of the eternity. Quand on a l'impression qu'on a beaucoup de force, on ne pense pas à l'éternité. We are strong, we don't think of eternity. On a l'impression qu'on a notre vie en main à cause de cette énergie que nous avons. We have impression that because of the energy we have alive. Nous avons l'impression que nous vivons dans un monde où nous sommes au-dessus et à l'abri de toutes sortes de choses. We have impression that we are living in a world that we are above any other thing. Et parfois, lorsque quelqu'un tombe malade autour de nous ou bien quelqu'un meurt, ça nous rappelle que la mort existe. At that when somebody falls sick or somebody dies, that we remind us that death exists. Et à ce moment-là, tous les problèmes que nous avons commence progressivement à passer au second plan parce que nous nous disons, mais si je meurs aujourd'hui? Et mieux encore, nous vivons dans un monde où nous côtoyons tous les jours la réalité de la mort. Parce qu'un homme doit se préparer à mourir à partir du moment, à partir du jour où il vient sur cette terre. Un homme doit souvent marcher avec l'éventualité d'une mort. Et nous vivons dans un monde où nous n'avons pas la certitude lorsque nous commençons la journée de la terminer. Et cela, quelle que soit notre condition physique, que tu sois en bonne santé ou malade, tu n'as aucunement la certitude qu'en te levant le matin, tu vas te coucher le soir au milieu de la terre. No matter your physical condition, you don't have the assurance that going up to bed or waking up, you are going to wake up the next day. Mais on réalise que lorsque les chrétiens viennent à
à l'église ou bien les hommes viennent à l'église, ils sont affectés par les problèmes de la vie. Beaucoup de personnes ici ce soir sont inquiètes. Est-ce que je vais terminer ma vie seule? Est-ce que je vais pouvoir me marier? Quel sera mon avenir? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour prendre soin de moi? Et à cause de cette inquiétude, beaucoup d'entre vous, vous travaillez très dur. And because of this worryness, so many of you are working so hard. Vous voulez assurer votre avenir et celui de vos enfants. You want to assure your future and that of your children. Mais cet avenir là n'existe pas. That future does not exist. Par contre, which? L'éternité existe. Eternity exists. Votre avenir en décembre n'existe pas parce que vous n'y êtes pas encore et vous n'avez même pas la certitude d'y être. Your future in does not exist because you are not yet. I don't have the certainty to be. Vous pouvez travailler toute votre vie pour être multimilliardaire d'ici 10 ans et les 10 ans prochaines années vous ne serez même pas sous cette terre. You can work the rest of your life to be a multimillionaire in 10 years and in 10 years to come you are not in this life. Vous pouvez avoir consacré toute votre vie présente, vous épuisant à travailler, vous épuisant à aller de gauche à droite et étudier très dur pour pouvoir vous assurer un avenir d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, habiter dans la plus belle maison et vous n'êtes et puis finalement vous n'êtes même pas. You can invest your life working so hard thinking that's investing that in 3 or 10 years to come this and going to be at the end, you don't even reach what you are expecting. Donc vos prévisions pour l'avenir ne sont que des hypothèses. That's why you are providing for your future is not a hypothesis. Mais jamais la prévision pour l'éternité d'un homme ne sera une hypothèse parce que l'éternité existe déjà. Et la mort est le pont qui sépare l'humanité de l'éternité. Et voilà pourquoi Pavé Mongo a dit les morts ne sont pas morts. La mort n'est qu'un voyage d'une dimension à une autre. C'est la séparation, la démarcation que Dieu met entre l'humanité, le temps de votre vie et ensuite le temps de votre jugement. Alors beaucoup de personnes vivent avec le souci de combien d'argent ils vont gagner, mais ils se vivent avec le souci de leur éternité. Many are living being worried that how much money are they going to earn. Not easily being worried of their eternity. Un jour, Jésus va parler d'un homme qui était très riche. One day, Jesus talk of a very rich man. Et généralement, lorsque Jésus donnait une parabole, on précisait que c'était une parabole. Each time when Jesus gave a parabole, it was precise that it was a parabole. Par exemple, l'histoire de Lazare et le riche, c'était pas une parabole. For example, the story between Lazarus and the rich. Alors Jésus va parler d'un homme qui était extrêmement riche. Just mention a man was so rich. Souvent, on pense que si on arrive à avoir tout ce qu'on veut dans ce monde, on sera heureux. Un savant de ce monde a dit l'homme a deux problèmes. Le premier problème de l'homme, c'est de ne pas avoir tout ce qu'il veut. Et le deuxième problème, c'est de l'avoir. And the second problem is to have. Le premier problème de l'homme arrive lorsqu'il n'a pas tout ce qu'il veut. The first problem of man comes when he does not have all that he wants. Et le deuxième problème de l'homme arrive lorsqu'il a tout ce qu'il veut. And the second problem comes when he has all that he wants. Ça veut dire que même l'homme ayant tout ce qu'il veut aura toujours des problèmes. Every man having all that he wants shall always have problems. Parce que le problème de l'homme n'est pas ce qu'il a, mais ce qu'il est. The problem is not what he has, but what he is. Le problème de l'homme n'est pas ce qu'il y a autour de lui. But I know what is around him. Jésus a dit c'est du dedans de l'homme. Just say it's from inside of him. Il y a quelque chose à l'intérieur du cœur de l'homme qui fait que l'homme est ce qu'il est. There is something inside of the man that makes of man who he is. Et qui fait qu'il se sent comme il se sent. That means to feel the way he feels. Même s'il changeait d'environnement, changeait de pays, changeait de travail, changeait de vêtements, il serait toujours dans la même condition. If you change the environment, change your clothing, shall be the same condition. Dans Luc chapitre 6 au verset 45, Jésus va dire c'est du long pont. Obtient de bonnes choses. Listen for the fact that Jesus said that a good man obtains good things. De la qualité de son cœur. From the quality of his heart. Dans Proverbe chapitre 4 verset 23. Proverbe 4 23. Le sage Salomon va dire que garde ton cœur plus que toute autre chose. The wise man Solomon said, keep your heart more than anything. Garde ton cœur, protège ton cœur. Keep your heart and protect. Prends soin de ton cœur. Care for your heart. Plus que toute chose que tu possèdes. Much more than anything you possess. Parce que de lui. From him. De son état. From his state. Viendront. Comment? La qualité de ta vie. The quality of the life. De l'état dans lequel ton cœur est. From the state in which your heart is. Il dira encore que l'homme qui est l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Is the spirit of man sustain him when he's sick? Ça veut dire que une personne qui a un bon cœur a plus de chances de guérir plus rapidement que quelqu'un qui est dépressif. So that good heart has more chances to heal, but so that is depressive.
Quelqu'un qui a la rancune, qui a l'amertume, a plus de chances d'être régulièrement malade et a plus de chances de très souvent rester malade que quelqu'un qui a un cœur joyeux. Et ça nous montre qu'il y a à l'intérieur de nous un organe qui est plus puissant que nous. Souvent nous ne prenons pas conscience à quel point il influence notre destinée. Parce que nous ne le regardons pas. Nous avons tendance à regarder tout ce qu'il y a autour de nous, mais il y a quelque chose à l'intérieur de l'homme. On appelle ça le cœur de l'homme. Et dans Luc chapitre 6, verset 47, Jésus va dire que lorsque le cœur de l'homme est bon, il obtient à cause de son cœur de bonnes choses autour de lui. Parce que le cœur est comme un émetteur, mais aussi un récepteur. Le cœur attire des choses de certaines personnes. Et voilà pourquoi je me suis toujours demandé comment est-ce que les braqueurs faisaient pour s'entendre, pour se rencontrer. That's why I always ask this question to know how would you do the program. Comment deux personnes qui braquent, ils faisaient comment? Est-ce qu'ils passaient une annonce? Moi braqueur, je recherche autre braqueur. Do they pass an announcement that you're giving another person to know what we are? J'ai donc compris que forcément il y avait quelque chose à l'intérieur d'eux qui les attirait l'un vers l'autre, qui faisait que entre eux braqueurs ils se retrouvaient comme accidentellement au même endroit. N'avez-vous jamais remarqué que les personnes qui font le commérage dans les églises, parce que ici cette église forcément avec tout ce qu'elle a encaissé, il n'y a pas ce genre de personnes. Les personnes qui font le commérage, on ne sait pas comment ils arrivent à s'asseoir au même endroit et ils commencent. Quelqu'un ouvre le dossier et commence à partager. Tu ne verras jamais un commère rentrer du culte avec quelqu'un qui ne l'est pas. Le commère chasse toujours celui avec qui il va partager les secrets des autres. Partageons-nous les secrets des autres. Mais lorsqu'il voit quelqu'un qui n'est pas commère, parce qu'il teste, il tape le terrain, il parle deux, trois fois, et il voit que tu ne dis rien. Va plus venir vers toi. You're not come to your tu n'es pas intéressant. You're not interested. Tu vas aller vers quelqu'un, you go to somebody, et quand tu les vois causer, you see them discussing. Ils parlent pas d'après le cul. They will discuss after tu les vois, ils rentrent. Et tu te dis, ils sont en train de partager la manière dont le Seigneur nous a parlé aujourd'hui pendant le culte. Ils sont en train de partager les extraits du culte. I think they are sharing what God said to them during the service. L'espérance prouve que les vrais chrétiens, après le service que tu connais si tu es un vrai chrétien ou pas. Parce que le vrai chrétien, après le service, pense encore au message qu'il a écouté. Tu le vois, il est silencieux. C'est pas qu'il est, il est calme, mais il est encore en train de. Dieu m'a parlé ce matin, Dieu m'a parlé ce soir, et voici ce que Dieu m'a dit. Et là, s'il trouve quelqu'un, il a envie de partager cette expérience de la parole. Comment toi tu as trouvé le message? You said I'm very calm. It's because I'm learning the message. And when you see somebody else, you share the message. As they have to you, go to the message. La Bible nous dit que ces deux hommes qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils ont dit, après avoir eu cette rencontre avec Jésus, nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsque le Seigneur nous donnait la parole? When we talk about these two men on their way to Emmaüs, they said, well, because I have no burning like fire when we were listening to the words. Mais aujourd'hui, parfois, on a tendance à chercher des personnes avec qui on va brûler le temps, mais tout en brûlant le nom de quelqu'un. Tu as appris. Allons, avançons, je vais te dire. Yes, I'm going to tell you. Attendons quand on sera devant. Où shall we shall head? Tu n'es pas au courant. Donc tu es derrière. Tu ne sais pas ce qui se passe ici. You don't know what is happening here. Il paraît que c'est fini. Like it's over. Ils sont plus ensemble. I know what I'm going to do. I told you. C'est fini. It's over. Dis-moi, Mamia. As I said. C'est fini. It's over. Moi, j'ai vu ça de loin. I saw it from afar. Ils viennent d'écouter la parole de Dieu. Ils sortent de l'église. They are coming from church. Ils disent qu'ils ont loué. They say they pray. Ils disent qu'ils ont adoré. They say they worship. Les meilleurs encore même parfois ils bagarrent. What is it that they begin to fight? Après le culte. After the service. L'un promet la bagarre. Attends, moi j'attends. J'attends devant. I'm waiting for you. Et t'attends. I'm waiting for you. Devant. Et arrête. Et vous voyez. I see. Est-ce que ces personnes, s'ils s'étaient vraiment sortis avec la parole de Dieu dans leur cœur, vous pensez qu'ils auraient fait ça? Do you think they'll do what they did? Si ces personnes avaient vraiment reçu la parole de Dieu,
Vous pensez qu'ils ont, ils auraient fait ça? Il y a même d'autres qui viennent à l'église, c'est un rendez-vous de bagarre. Il y a d'autres qui viennent à l'église. Nous devons nous culte ce soir. Ça va se savoir. Et tu les vois, ils ont leur belle Bible. You have a beautiful Bible. Ils écoutent. La Bible est là, ils écoutent le message. The Bible is what they are listening to message. On surveille la position. They are watching their position. Ok, tu es venu en pantalon, je dis, moi aussi je suis venu en démembré. Tu es venu avec le pantalon pour donner le mawashi guéri, moi je suis venu avec le démembré pour te donner les cournes. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Yes. Mais voyez-vous, ça veut dire que c'est du dedans de l'homme. The Bible says from within the man, from inside of the man. Ça veut dire que l'homme elle porte en lui-même son propre problème, mais en même temps sa propre solution. Mais the man carries his personal problem at the same time his solution. Il porte autant son propre problème que sa propre solution. He carries his personal problem at the same time his solution. La propre solution à la paix, à la joie de l'homme se cache à l'intérieur de lui-même. The solution of the peace of joy of man is in inside of the man. La propre source de sa colère, de sa rancune, de son amertume, ça ne se cache pas dans quelqu'un, mais ça se cache au-dedans de lui. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous aide pour être malheureux dans ce monde. You don't need anybody to help you to be unhappy in this world. Et en ce qui concerne le bonheur, ça marche aussi. Si du cœur de l'homme bon obtient de bonnes choses, à cause, pas de la qualité de ses amis, à cause de la qualité de son propre. A good man obtains good things not by quality of his friends but the quality of his heart. Vous n'avez-vous jamais vu des personnes qui vous voyez des personnes qui sont en train de rire ensemble et quelqu'un est en train de les regarder, ils se moquent de moi. Payez-vous ma tranche, vous allez voir mon Dieu est vivant. My God is alive. Il va vous répondre. He's going to answer you. Mais même si ces personnes étaient en train de parler d'autre chose, mais à l'intérieur de cette personne, parce que cette personne conçoit que c'est le moi, elle le vit exactement. Et voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, il y a plus de 2019 ans, il savait que le principal problème de l'homme ne venait pas d'un manque d'argent. Et donner de l'argent à l'homme ne réglerait jamais ses problèmes. Donner un bon mari, donner une bonne femme à un homme ne réglerait pas ses problèmes. Give me a good man, a good husband, not solve his problem. Donner plus de pouvoir à l'homme ne réglerait pas le problème. Give more power to man, will not solve his problem. Donner davantage de luxe, de standing à l'homme, à sa vie, améliorer la qualité de sa vie, n'améliorerait et ne changerait rien à ce qu'il est. Improve the quality of life, not change who he is. Et Dieu savait que le problème de l'homme se cache au plus profond de lui. Et de régler ce problème qui était au-delà des apparences. Le régler. Aller régler ensuite tous les problèmes qui étaient liés à l'argent, au mariage, au divorce, aux relations de couple, aux relations de famille. Et voilà pourquoi il a dit c'est du dedans du cœur. And that's why it says from inside of the heart. Que viennent les meurtres, les mensonges, les adultères et toutes ces choses. Et il va dire à Jérémie, Jérémie, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, méchant. Et c'est le jour où tu fais ce qui est mal que tu découvres que tu es méchant. Comment quelqu'un peut concevoir dans son cœur de tuer une autre personne? How can you consider how to kill another person? Comment un être humain normalement constitué peut concevoir dans son cœur qu'il va frapper quelqu'un d'autre qui est comme lui? How can you consider your heart that you're going to strike another person like you? Comment? Qu'est-ce que tu ressens? How do you feel? À quel niveau de degré de méchanceté faut-il atteindre pour concevoir cette pensée et mieux encore exécuter la pensée? At what point of degree do you actually think and think that before executing? Donc là, conçoit ce qui est mal parce qu'il est mauvais. The heart conceives what is bad because it's bad. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Un bon cœur ne conçoit pas de mauvaises choses. A good heart never conceives bad. Mais lorsqu'on conçoit ce qui est mal, on veut accuser l'autre en disant c'est parce que tu as fait telle chose que moi aussi j'ai fait telle chose. Non, tu as fait la chose parce que ton cœur était prédisposé à concevoir. You did the thing where I was predisposed not to conceive it. Si ton cœur n'était pas prédisposé à faire la chose, il ne l'aurait pas fait, peu importe ce qu'on lui a fait. The heart would be predisposed to it, you would have done it, no matter what the other thing. Ça veut dire que l'autre a tout simplement exposé tes prédispositions
position, mais n'est pas la personne qui t'a poussé à l'exécution. Tu avais des prédispositions à la colère, mais il te manquait l'opportunité. Alors, lorsque l'opportunité est arrivée, les prédispositions se sont manifestées. Il dit, ce n'est pas de l'extérieur, il dit, c'est du dedans de l'homme. He said, not from without, but it's from within. Et c'est pour ça qu'ils disent aux pharisiens, ça ne sert à rien de nettoyer le dehors de la coupe. He told the Pharisees, it's useless cleaning the outside of the cup. Vous pouvez prendre un homme man, qui n'a dont le cœur n'a pas changé. Not changed. Vous lui mettez une robe de pasteur. And put it in the un robe de pasteur. And put it in the, et vous lui donnez une Bible de pasteur. Give the Bible that belongs to the pastor. Et s'appuie comme un pasteur. Dress, vous lui apprenez à parler comme un pasteur. To feel like vous lui enseignez à prêcher comme un pasteur. À prier sur les malades comme un pasteur. Like si son cœur n'a pas changé, il sera comme toi devant tous les événements de la vie. He shall be like you in front of every et son titre et sa position pastorale ne changera absolument rien. Et voilà pourquoi that's why, dans Jérémie, Jeremiah, tu dis, je fais ôter le cœur de Pierre. C'est lui qui est dur. Vous savez, le cœur de Pierre, c'est un cœur qui est rebelle. C'est insensible au cœur de Dieu. Spirituellement mort. Insensible à la présence de Dieu. Vous savez, lorsque nous avons cru, no one believed. Moi, je ne sais pas pour vous aujourd'hui. Moi, je suis entré dans les églises de réveil au début des années 91-92. Certains d'entre vous n'étiez pas encore nés. Mais j'ai cru en 2007 dans ma chambre. Je n'allais dans aucune église. I'm not going to any church. Mais lorsque le Saint-Esprit m'a touché, when ce que j'ai appris de l'expérience de l'Esprit, c'est que l'Esprit de Dieu ne te permet pas d'avoir la rancune et l'amertume. God's Spirit is not permitted to have grudges and bitterness. Il y avait, est-ce que tu avais un problème avec un frère, une sœur? Problem with your brother, sister. Tu veux prier, il te donne pas la paix. Want to pray, don't give you peace. Tu veux dormir, want to sleep. Va demander pardon. Why ask for forgiveness? Tu es là. Amen. Il est minuit. It's midnight. C'est qui? It's who? C'est moi. And the one. Je suis venu te demander pardon. God, ask for forgiveness. Parce que le Saint-Esprit te dit, tu m'as attristé. Let me tell you, I was telling you. Mais tu ne continues pas de prier alors que tu as le manque de pardon et l'amertume dans ton cœur. You don't continue to pray because I have God's forgiveness and bitterness in my heart. Nous vivons dans une génération où si tu n'as pas prêché 400 messages sur l'amour, le pardon et c'est après, après 400 messages que tu vois quelqu'un qui dit, bon, tu m'as touché aujourd'hui. Je vais quand même un peu laisser. Let her go. S'il n'y a pas une onction forte, il y a une onction anointing. Que le médecin prédicateur était particulièrement oué pour briser le cœur de l'assemblée. And the preacher was so particularly anointed to break the hearts of the assembly. Tu as fait du tort à quelqu'un. That you hurt somebody. Tu as brisé les têtes. You break heads. Tu as brisé les relations. You break relationships. Tu as la et tu pries en paix. And you're praying in peace. Tu chantes en paix à l'église. Tu jeûnes en paix. Tu lis ta Bible en paix. Read your Bible in peace. Si tu lis ta Bible après avoir fait le mal en paix, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Read your Bible after having somebody in peace, then Si tu couches les femmes, tu couches avec les hommes et tu viens à l'église, tu es en paix. C'est le Saint-Esprit n'est pas en toi. If you have people in the culture, you're at peace, then tu es fort, tu es gros, tu es stock. Certains d'entre vous me les bêtes. Il y a des personnes que si on te croise là maintenant, the way I'm going to run. Parce que tu as les dettes partout. You're having debts everywhere. Dès que tu viens les numéros, quand tu vois le numéro, what's your number? You just press it off. Tu rejettes la paix. You reject the call. Mais tu pries en paix. You're praying peace. Pire encore. What? Tu dors en paix. You sleep in peace. Il y a une chose que je hais dans ma vie, c'est la dette. There's one thing I hate in my life is the debt. Savoir que je dois l'argent à quelqu'un. You know that I owe money to somebody. Seigneur. Lord, de toi quelqu'un. To non, je ne sais pas. Je me suis toujours posé la question de savoir comment les jeunes ont les dettes font pour dormir. What do normal people have debts do to sleep? Savoir que là où tu es là, tu dois à quelqu'un. Wow. Mais lorsque l'esprit, lorsqu'on n'a pas fait l'expérience réelle de la vie, a real experience of life, alors il est très difficile it's so difficult de faire la différence differentiate entre ce qui est la vie et ce qui n'est pas la vie. But what is life and what is not life? Voilà pourquoi en introduisant mon message, j'ai parlé de la véritable vie chrétienne. That's why I'm using my message to talk about the true life, Christian life. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le monde entier compte plus d'un milliard de personnes qui professent être chrétiens. That's today that the whole world counts for billions of persons that are professing.
différentes personnes n'arrivent pas à faire la différence entre la religion chrétienne et la vie chrétienne. They don't able to differentiate between Christian religion and Christian life. Ils basent leur appartenance à la chrétienté par leur appartenance à une dénomination. That's the belief of Christianity by belonging to a denomination. Je suis baptisé. I'm baptized. Je suis confirmé. I'm confirmed. J'ai mon certificat de baptême. Ils passent leur appartenance à la chrétienté et au corps de Christ par leurs activités chrétiennes. That's the base of appartenance to Christ by Christian activities. Vous devez faire la différence entre l'apparence de la piété et la piété elle-même. Differentiate between the appearance of holiness and godliness. L'apparence de la piété, c'est prier. The appearance of holiness is prayer. Mais la piété, ce n'est pas prier. Godliness, not prayer. L'apparence de la piété, c'est de venir à l'église. Appearance of godliness is coming to church. C'est d'avoir une Bible. Having a Bible. Ça, c'est l'apparence. That's an appearance. De la piété. Of godliness. Ce n'est pas la piété. Et ce n'est pas pour ça que Jésus est mort. Les trois passages que nous avons lus. Dans le premier passage, Dieu parle de l'expérience d'un cœur nouveau. In the first one, God talks about the experience of a new heart. La véritable vie chrétienne, elle te fait passer de l'expérience d'un cœur qui était mort à la vie de Dieu et à la présence de Dieu à un cœur qui vit désormais et qui passe au son de la vie de Dieu. The truth is we're supposed to pass from a heart that was then right to live the life without living his God's presence. Et avant de parler de l'esprit, il dit d'abord je change d'abord le cœur avant l'esprit. L'expérience de tes dispositions de corps, les choses auxquelles ton cœur était prédisposé, ton cœur était naturellement prédisposé à mentir. Lorsqu'on t'attrape, c'est toi. Non. Il dit parce que tu ne pourras jamais être plus grand que ton cœur. Ton cœur agit en mode automatique. Il te pousse à faire des choses que même toi, en faisant la chose, tu es spectateur. Tu dis, yes, c'est moi qui fais ça. Et un homme comme ça un jour, il allait prêcher l'évangile. Vous savez, aujourd'hui, on porte le fardeau pour le salut de cette nation. Alors, pendant qu'il prêchait l'évangile, en plein milieu de sa prédication, il y a deux personnes qui ont commencé à bagarrer. To fight. Et il a dit arrêtez! La Bible dit que si on frappe la joue gauche, la joue droite, tu dois tendre à ma gauche. Give your left ear. Pendant qu'il voulait se séparer, on lui a donné un petit peu paracétamol. Il est encore la deuxième fois. Parce que justement, il devait appliquer le message. Il a dit, Jésus a dit, si on frappe la droite, on peut frapper aussi. Alors il est allé encore séparer les frères. Vous êtes frères. Il a encore reçu un deuxième paracétamol. Et là, il est encore reparti. Parce qu'il avait la passion et le zèle de vouloir arrêter le mal. So passionate and the zeal not to stop evil. Cette fois-là, il a pris au narine. And the third time, the stroke et ça a touché un peu l'œil. Et la troisième fois, il a dit, Jésus n'a pas dit qu'il faut frapper trois fois. Vous êtes sorti des Écritures. Alors moi-même, je sors des Écritures. Il a dit, arrête-moi d'avoir la Bible. Il est allé lui-même entrer dans la dis avec moi prédisposition. Tu es prédisposé à faire des choses que toi-même tu ignores que tu es prédisposé à faire. You are predisposed to do things that you are saying that you are predisposed. Tu es prédisposé à mentir. Parfois tu parce que tu ne mens pas à l'instant, tu ne sais pas que tu es prédisposé à le faire. And then you don't lie the same way, but you don't lie, you are predisposed to do it. Parfois il y a la différence entre ta volonté et tes prédispositions. Il y a un combat entre les choses auxquelles tu es prédisposé et les choses que tu veux vraiment. Attends, il y a une différence entre what you are predisposed to do and what you want. Paul dit dans Romains chapitre 7, dans ma volonté, je veux faire ses biens. Mais à cause de mes prédispositions à faire le mal, ma prédisposition a le dessus sur ma disposition. Because of my pressure to do evil, that pressure is above my decision. Je suis disposé à faire le bien, mais je suis prédisposé à faire ce qui est mal. I'm supposed to do, but I'm predisposed to do what is evil. Tu es prédisposé à voler si l'occasion est venue. Tu es prédisposé à coucher si l'opportunité t'est donnée de le faire. You are predisposed to sleep when the opportunity is given to you. Tu es prédisposé à escroquer si l'opportunité t'est donnée. You are supposed to deceive when you have the opportunity. Mais tu es disposé à ne pas voler. You are disposed not to steal. Tu es disposé à ne pas mentir. You are disposed not to lie. Tu es disposé à ne pas souiller ton corps. You are supposed not to defy your body. Mais pourtant tu es prédisposé à le faire. You are predisposed to do it. Et c'est pour ça que je change le cœur de pierre pour donner un cœur de chair. That change your heart of stone to give a heart of flesh. Je change les prédispositions.
disposition. What changes prayer's position? La force au-delà de ta, de ce que tu veux, qui te pousse à faire même ce que tu ne veux pas. The force above all that he pushes you to do even what you don't want to do. Et voilà pourquoi lorsqu'un enfant vient au monde, and when a child comes to the world, un enfant n'a pas besoin de lire dans le dictionnaire le mot violence pour être violent. A child only to go to the dictionary and read the word violent before being violent. Tu le vois, la première année quand tu, les premiers mois quand tu le portes, il est gentil, mais the first thing you have done, the child is okay. Après, on joue tes gifles, bah, oh, non, il te crie, ya! Yeah. Tu le poses sur la poitrine, il mordit! Est-ce qu'il a eu besoin d'être éduqué? Non. Il est né avec des prédispositions particulières. He's born with a particular predisposition. Amen. Et voilà pourquoi vous voyez parfois des personnes. That's why you see some persons. Ils sont à l'église. And church. Ils font des choses dans le secret. That they do things in the secret. Horrible. Ils pleurent. They cry. Oh Dieu. Oh God. Aie pitié. Have pity. Ils s'essuient les larmes. Ils reviennent à l'église. They come back in church. Ils se sentent encore un peu bien. They feel a little bit fine. J'ai rien changé. I'm changed. Je suis libre. I'm free. Tout ça c'est fini. I'm free. C'est derrière moi. It's back. Je me sens libre. I'm free. Free. Ils arrivent à la maison. They are right in the house. Tout passe, on t'attendait. Yeah! Dieu vous le dit. Dieu vous le fait. I'm ready to fight you. Tout son sentiment de liberté. All the feelings of liberty. À terre. Down. Il s'est senti libre entre l'église et la maison. He felt he was free when he was between church and the house. Mais une fois l'acte commis, once the action is complete, misérable que je suis, and the miserable as me délivra de ce corps de mort, delivered from this body. Wow. Et voilà pourquoi il y a des personnes qui parfois disent j'ai changé. That doesn't say I have changed. C'est un changement de 2 semaines, 3 semaines. It's a change of 2 weeks, 3 weeks. Un mois. 1 month. J'ai l'amour, j'aime bien tout le monde. I love everybody. Donne 3 semaines. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette église? I don't know why it's going wrong in this church. Pourquoi les gens sont mauvais comme ça? Moi, je viens avec l'amour. Tu es bien avec le sentiment d'amour. Et quand le sentiment a été blessé, quand il n'y avait pas d'amour au fond, le sentiment d'amour était au-dessus, mais la haine était au fond. Et le sentiment d'amour cachait la haine qui était au fond de la main. Et lorsqu'on a siroté le sentiment, la haine qui était au fond est ressortie. Et tu as commencé à dire, moi maintenant, now, nobody. Je prends mon sac. I take my bag, I go. Le son. I go. Autre, je salue tel et je salue tel. C'est tout. This person and that person. Quelqu'un vient même, je réponds tic tac, bonjour, bonjour. Comment ça va? Bien. Tic tac. Parce que moi, on m'a rien trop fait. Tu vas donner une bague sur lui. Wow! Tu sais que tu peux vivre dans un environnement où les gens ne sont pas bien, tu restes au pied. You can live in an environment where people are not good, but you will make you. Et donc, tu as vécu dans une génération qui était plus corrompue que la nôtre. And I lived in a generation that was more corrupted than us. Et il a marché seul avec Dieu. I walk alone with God. Le mal n'est pas une excuse pour le reproduire. Committing crime is not an excuse to produce. Tu reproduis le mal si toi-même tu es prédisposé à reproduire le mal. You produce the evil when you are predisposed to do that. Quand tu es bon, you are good. L'eau, le même robinet ne produit pas l'eau sucrée et l'eau salée. That's the same tap cannot produce sweet and bitter water. Si même Dieu n'a pas constitué la nature pour devenir une orange lorsque c'est la saison des oranges, et l'oranger devient la mangue lorsque c'est la saison des mangues. It must not be a nature you have not to become an orange during the season. Ça peut être la saison de la haine autour de toi, mais tu restes quand même. It can be a dans ta saison du bien. You remain in your season of doing good. Amen. Tu es bon. You are good. Il dit, je changerai, j'en vais enlever ce cœur de pierre. So, remove the heart of... Et j'aime ce que Dieu dit. Il ne dit pas qu'il va améliorer le cœur. Il va l'enlever. Et commence à dire, je vais ôter. Ça montre la puissance que Dieu a de pouvoir changer notre cœur. Nous ne pouvons pas le changer. Change nous ne pouvons pas.
We can't. Nous voulons, we want to, mais nous ne pouvons pas. We can't. Moi, j'ai tout fait, je n'ai pas réussi. I did everything, but I did not succeed. Et ensuite, il dit, je vais te donner un esprit nouveau. So I'll give you a new spirit. Ça veut dire, au-delà du cœur, je vais te donner une vie. So above the heart, I'll give you a life. Et souvent, nous ne réalisons pas que Jésus n'est pas venu donner une religion, mais une relation à travers la manifestation et l'expression de sa propre vie en nous. I don't think that Jesus does not come to give a religion, but he comes to give a relation to the expression of his life. Il est venu de donner la vie. Éternel. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Cette vie, c'est Dieu lui-même. À travers la vie de Dieu, Dieu te donne sa nature. Il te rend capable de faire ce qu'il fait. Il te rend capable de ressentir ce qu'il ressent. Il te donne les attributs de la divinité. Cette nature ne vient pas de toi. C'est le fait que tu commences à aimer ne vient pas du nombre d'heures que tu as passé à écouter les messages, mais ça vient de sa vie à l'intérieur de toi qui conditionne tes actions. You start loving not from the message that you're listening, but brother, I live to you. La vie de Dieu est une nature. God's life is a nature. Et elle donne une nature. That's giving you a nature. Qui est celle de Dieu. That is that of God. Et à partir du moment où tu commences à voir cette fille à l'intérieur de toi, c'est elle qui conditionne tes actions et ce ne sont pas les doctrines. When I begin to love life, it's the one that conditions your action and not your doctrine. Tu n'aimes pas ton prochain parce que la Bible dit d'aimer ton prochain, mais parce que tu as la nature du Dieu d'amour en toi. On peut te prêcher sur l'amour si tu n'as pas la nature d'amour, tu n'aimeras jamais. Tu auras le sentiment d'aimer pendant un peu de temps, mais la haine finira par jaillir un jour. Parce que ni ton cœur ni ta nature n'a changé. Mais lorsque cette nature vient dans ton cœur, tu ressens une certaine paix. Cette paix ne vient pas de l'état des finances, mais c'est le sentiment give you that cause of the Holy Spirit. Tu commences à être en paix avec les gens. Peace with people. Les gens sont en colère contre toi. Ils ont la rancune vis-à-vis de toi. Ils te haïssent. Mais il y a quelque chose au-dedans de toi qui, au milieu de cette tempête intérieure, garde ton cœur focalisé sur Dieu. Tu es tellement conscient de l'amour de Dieu pour toi que tu n'as pas le temps pour la haine des hommes. Tu es tellement conscient de l'amour de Dieu pour toi que tu es rassasié de cet amour. Et même si les gens, tout le monde entier, s'élèvent pour si tu as préparé dans ta maison house, et qui est assis devant à manger, est-ce que tu vas enlever la nourriture de ton voisin? Lorsque il y a l'amour dans ton cœur, dans le frigo de ton cœur et dans la marmite de ton cœur, tu n'es pas en train de regarder ce qu'il y a dans la marmite des autres vis-à-vis de toi. Oui, there is not in your pot and in the fridge and that you belong to the house of others. Tu m'aimes même. They love me. Pourquoi tu regardes comme si tu n'es pas sûr? Généralement, les personnes qui posent cette question n'ont pas réellement elles-mêmes d'amour. Parce que lorsqu'on aime, ça ne nous intéresse pas de savoir si les autres nous aiment. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si nous les aimons. La vie de Dieu. Et c'est pour ça que la loi était plus facile que la grâce. The law was so easy than the grace. Parce que la grâce de Dieu, grace of God, c'est de vivre la vie de la Bible, mais à travers la vie de Dieu et non à travers les principes de la Bible. Is to live the life of the Bible through the life of God, but not according to the principles of the Bible. Ça veut dire quoi? C'est faire ce qu'il y a dans la Bible. Do you watch the Bible? À cause de la vie en nous. Because of the life in us. Et non parce que c'est écrit noir sur blanc. Another question is right and black. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on a besoin, à cause de la religion, la loi dans l'Église, on a besoin. Non, ça ne vit pas comme ça. That's why because of the darkness in church. We still don't know how we choose. Lorsque la vie entre en toi, tu sais comment t'habiller. Quand tu fais ça, quelque chose à l'intérieur de toi commence à te faire ressentir la tristesse du Saint-Esprit. When you dress, suddenly that then you need to feel sad. Tu vas pas mettre les bobines, les bottes de Jésus dehors. Not expose the breast of Jesus. Ce n'est plus son corps, c'est déjà son corps qui est le temple du Saint-Esprit. Is the body of the Holy Ghost. Mais si tu te sens bien lorsque tout le monde voit tes seins, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu te sens bien lorsqu'on voit tes cuisses, ça veut dire qu'il y a un problème. Si ça ne moule pas tellement que même le poil intérieur sort à l'extérieur, devient le poil extérieur, c'est un problème. Yes. C'est pour que les gens t'apprécient. Il faut que tu mettes tout le folklore sur ta tête, sur ton visage. Ça veut dire que Jésus ne satisfait pas encore ton cœur. If you're putting something, we're putting a bouche. Tu n'as pas encore fait de lui tes délices. You're not your delight. Parce que lorsqu'il vient comble, when you come, il remplit tout en tout. Il n'y a aucun domaine que Jésus ne comble pas.
father is not you. Tu as encore les mêmes problèmes. You have the same problems. Mais tu n'es plus affecté par. You're not affected by. Tu as encore le même problème. Mariage, travail, voyage, c'est encore la même situation. And job, it do not affect you. Parce que ce qui t'affecte, what affects you, c'est l'amour de Dieu. It's the love of God. Vis-à-vis de toi. Towards you. C'est ta marche avec lui. It's our walk with him. C'est ton intimité. It's your intimacy with him. C'est la condition et la qualité de ton d'adorateur. It's a condition and quality of your life as a worshipper. La vie chrétienne. Christian life. Ce n'est pas une vie d'église. It's not a life of a church. C'est Christ qui vit sa vie en nous. Christ living his life through you. Ce n'est pas nous qui vivons pour lui. It's not us living for him. Parce que nous pouvons vivre pour lui à notre manière. We can live for him in our own way. Tu viens aujourd'hui. Come today. Parce que c'est, tu as le temps de venir. Because you have the time to come. Ça c'est pas Jésus. That's not Jesus. Jésus c'est, tu viens aujourd'hui parce que Jésus veut que tu sois là. Jesus, you come today because he wants you to be. Et c'est différent de vivre pour Dieu. It's different from living for God. Mais c'est différent encore de laisser Dieu vivre en nous. I do like a living God living in us. Oh, la vraie vie chrétienne, ce n'est pas les hommes qui vivent pour Dieu, mais c'est Dieu qui vit en nous. Christian life is not men who live for God, but living for God. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à accepter le fait qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils sont bien à l'église. Ils ont l'apparence de la piété. Mais le fondement de la vie chrétienne, ce n'est pas la pratique des choses écrites dans la Bible, mais c'est la vie de Jésus manifestée en nous et à travers nous. Worship is not the things written on is the life of Christ manifested to us. Et cette vie, and a life, tout homme ici ce soir, everyone here tonight, peut la recevoir. Can have it. Parce que c'est une substance réelle. It's a real substance. Lorsque la vie entre dans ton cœur, elle amène la réalité de la présence et de la personne de Dieu dans ton cœur. When a life enters, you bring the reality and the presence of that God in your heart. Tu es conscient de Dieu. Tu vois Dieu dans les autres. You see God in others. Tu vois Dieu en toi. You see God. Tu vois Dieu autour de toi. You see God around you. Tu n'as pas besoin d'une certaine atmosphère pour sentir la présence de Dieu parce que la présence de Dieu désormais est à l'intérieur de toi. You need pas cela nous fait to feel God's presence because you're already carrying the presence of God. Chaque fois que tu parles aux gens, c'est lui qui parle à travers toi. Each time you speak to others, he's God speaking to you. Lorsque les gens t'écoutent, ils reçoivent la vie à travers tes paroles. When they listen to you, you receive life. Lorsque les gens te touchent, ils touchent la vie. When they touch you, they touch life. Parce que la vie coule dans ton cœur. The life flows in your heart. Elle coule dans ton âme. Flows in your soul. Elle coule dans tes pensées, elle coule dans tes sources, tes nerfs, tu es vivant. Je terminerai avec cette déclaration de Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 45. 1 Corinthiens 15, 45. Il dit que le premier homme, l'homme animal, était une âme vivante. Mais le nouvel homme est un être qui possède la vie et qui communique la vie. And it's a being that possesses and communicates life. Tu deviens quelqu'un qui communique la vie. You become the communicator of life. Tu ne communiques pas la haine. You know, tu ne communiques pas la jalousie. You know, tu ne communiques pas la tristesse et la haine. Les gens autour de toi se sentent bien parce que tu as la vie de Dieu. Those around you feel good because I have the life of God in you. Nous allons nous lever ce soir. Which benefit? Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque quelqu'un est vivant, alive, il y a quelque chose qui dégage. Something that you release. Oui. Yes. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Right. Mais je vous dis, c'est comme quand quelqu'un fumait, il a arrêté de fumer. Somebody that was smoking, he stopped smoking. Il y a quelque chose sur son visage. Something in his face. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui. Something inside of him. C'est comme une vibration. Like a vibration. Il y a quelque chose qui qu'on dégage lorsqu'on a la vie. Something you release when you carry life. Lorsque quelqu'un est mort. Somebody is dead. Il se sent fatigué. He feels tired. Il se sent dépressif. He feels depressed. Il sent un manque de paix. A lack of peace. Il y a le sentiment de souffrance. There is a feeling of suffering. Il y a le sentiment de confusion. And a feeling of confusion. Ce sont les signes de la mort. Those are signs. Lorsque quelqu'un est mort. Somebody is dead. Il ressent la confusion. It feels confused. La dépression. Depression. Le sentiment d'ignorance. That's the feelings of ignorance. La souffrance dans son cœur. Suffering in the heart. Parce qu'il n'y a pas la vie. Because there's no life. Mais lorsque la vie vient. When life comes. Elle vient. Comes. Et les signes et l'expression de la vie, tu commences à sentir la paix. You need to feel peace. La vie donne une paix. Life gives peace. Elle donne la paix. Gives you peace. Tu sens de la force. You feel the strength. Tu sens de la sagesse. Feel wisdom. Tu sais ce que tu dois faire, comment tu dois faire, où est-ce que tu dois faire et de quelle manière, parce que la vie te donne la sagesse. You know what to do, where to be, and how to do. God, life gives you wisdom. La vie te donne la soif de Dieu. Life gives you thirst for God. Tu as tout le temps envie d'être dans la présence de Dieu. Your spirit has to be in God's presence. La vie te donne la faim de Dieu. That's the life gives you. Tu te médites, tu ne lis pas la Bible, tu manges. Tu manges la parole de Dieu. Tu digères spirituellement chaque portion d'écriture que tu lis. You digest every portion of scripture that you read. Tu sens comment ça est en train d'entrer dans ton système, ton
Tu mens et absorbes la vie qu'il y a dans la parole et non juste les informations. Et tu commences à avoir une foi authentique pour commencer à atteindre ton monde pour le Seigneur. Et ce soir, and tonight, et je mets devant chacun de vous la vie là. I'm putting in front of you life and death. Et avec comme accompagnement la bénédiction et la malédiction. I'm going to accompany you because it's a blessing. Et tu peux être un religieux chrétien. You can be a Christian religion. Ou tu peux vraiment. You can be. Vivre dans la vraie vie. It's your life. La vie de Jésus. Life of Jesus. Et la vie de l'Esprit. And life of the Spirit. Je veux que tu lèves ta voix. Lift up your voice. Et je veux que tu pries. I'm going to pray tonight. À la lumière de tout ce que tu as entendu. Concerning what you have heard. Lorsque quelqu'un a reçu la vie de Dieu, someone received the life of God. N'a plus besoin qu'on lui dise comment il doit s'habiller. You need to tell him what to, how to dress. Comment, quand il doit venir à l'église. When to come to church. Il est conduit par une force. He's led by force. Et un cœur. And a heart. Qui le prédispose. That predispose him. À faire. To do. Ce que Dieu veut. What God wants. Il aime ce que Dieu aime. He loves what God loves. Il aime ce que Dieu aime. He what God is. Il aime la sainteté comme Dieu aime. He loves what religion is as God loves. Il aime le péché. He sin. Comme Dieu aime le péché. God hates sin. Il aime la justice. Love justice. Comme Dieu aime la justice. God likes justice. Il aime en tout temps. He loves him. Il aime en toutes circonstances. Pas parce que c'est dans sa force. Not because it's his force. C'est la force que lui donne la vie. The force that gives him life. C'est la force que lui donne la vie. The force that gives him life. La vie lui donne la force. Life gives him force. La vie lui donne la sagesse. Life gives him wisdom. La vie lui donne la direction. Life gives him direction. Elle le conduit. That's leading him. Elle le donne en ruisseau. Elle le conduit. Lead him. De la même manière qu'on ne conduit pas le fleuve. Mais c'est le fleuve qui conduit. It's a river that leads a man. De même, la vie conduit celui dont le cœur est connecté. The same life that leads the one that heart is connected. La vie. Life. La vie nous enivre de Dieu. Life does also elle nous sature de sa présence. Elle nous enivre de son esprit. Jésus a dit à la femme de Samaritaine, femme, si tu connaissais le don qui est devant toi, man, if you know the gift that tu me demanderais de l'eau. You ask me of what? De l'eau de la vie. What type of life? Cette femme qui avait cherché à combler son cœur par le mariage, des relations prises. Mais Jésus lui a dit, tu as cherché la vie dans le mariage. See, for life, tu as cherché la vie dans les relations. Et tu te dis que c'est parce que lorsque tu aurais un homme dans ta vie, tu aurais une fille. La vie n'est pas dans le mariage. La vie n'est pas dans un statut académique ou professionnel. La vie est en moi. La vie est en moi. La vie n'est pas dans les diplômes. Tu peux avoir tellement d'argent mais être vie. Mais tu peux avoir